Conseil des ministres aujourd'hui du projet de loi portant statut des chefs et rois traditionnels de Côte d'Ivoire. Ce projet reconnaît un cadre légal affirmé aux rois et chefs traditionnels et permet de dire qui est roi ou chef traditionnel et à quoi il peut avoir droit de la part de l'État. Le problème du grand marché de Trésil sera abordé au plus haut niveau. Information donnée hier aux commerçants par le maire de la commune, François Amichia, qui a eu une rencontre avec eux. Il leur demande de rouvrir le marché et donner une chance à la négociation. Et puis à l'étranger, la Centrafrique avec Catherine Samba-Panza, la présidente intérimaire du pays, qui réitère sa volonté de mener une politique d'écoute et de réconciliation. Elle promet nommer un gouvernement de technocrates. Son investiture est prévue pour demain. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, l'adoption en Conseil des ministres ce mercredi du projet de loi portant statut des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ce projet reconnaît un cadre légal affirmé aux rois et chefs traditionnels et permet de dire qui est roi ou chef traditionnel et à quoi il peut avoir droit de la part de l'État. Jérôme Kofi Abolin. Mercredi 22 janvier 2014, le rendez-vous prévu au palais présidentiel pour ce qui est du Conseil des ministres hebdomadaire a été respecté. Présents, comme à l'accoutumée à cette réunion présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, tous les membres du gouvernement, excepté ceux empêchés pour cause de mission. Au nombre des mesures générales, ainsi que des décrets, des projets, des lois et de décrets, la décision relative au statut des rois et chefs traditionnels. Désormais, ils seront reconnus par la loi en Côte d'Ivoire. C'est un projet important parce que c'était un engagement du chef de l'État qui avait promis de donner aux rois et chefs traditionnels un statut à la mesure du rôle social que ces personnes jouent dans nos sociétés. Ce projet de loi consolide l'enracinement, le rôle social de ces institutions traditionnelles dans la quasi-totalité de nos régions, parce que ces rois, chefs traditionnels, sont les interlocuteurs, les premiers interlocuteurs, nous le savons, des autorités politiques et administratives, et ce sont en même temps des régulateurs de la vie sociale de nos villages, de nos contrées rurales. Ce sont eux qui règlent souvent des conflits et ils représentent leur population. Aussi, faut-il préciser qu'au regard de ce statut, l'organisation des rois et chefs traditionnels se fera à travers deux organes, à savoir l'Assemblée et la Chambre nationale. La mise en œuvre de ce statut ne sera effective qu'après l'examen et l'adoption du texte à l'Assemblée nationale. Après cette rencontre avec les membres du gouvernement, le président Alassane Ouattara a accordé trois audiences dans l'après-midi. Le chef de l'État a reçu un envoyé spécial du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI. Ensuite, le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadré Ouédraogo. Et enfin, le président de l'Agence coréenne de coopération internationale, Viviane Haïbe. Envoyé spécial du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, Taïb Fassifiri était accompagné de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Son Excellence Moustapha Jabari. Le renforcement de la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire au menu des échanges. Pour rappel, le souverain chérifien avait dans ce cadre effectué au cours de l'année dernière une visite officielle en Côte d'Ivoire. L'envoyé spécial du roi du Maroc a eu un long entretien avec le chef de l'État ivoirien sur les voies et moyens de créer un rapprochement encore plus fort entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, selon le vœu de leurs deux dirigeants respectifs. Je crois que ces deux pays ont beaucoup de choses encore à faire en commun, grâce à la vision de leurs deux chefs d'État et grâce à leur volonté partagée de créer, de diversifier, de renforcer non seulement la coopération, la concertation politique, mais la coopération dans tous les domaines, essentiellement du développement humain ou de la coopération économique entre les différents secteurs publics et privés, dans le domaine culturel. En prélude à la tenue ce jeudi ici à Abidjan d'une session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO,
Le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadré Ouédraogo, est venu faire le point au président en exercice de l'organisation, le président de la République Alassane Ouattara, de l'ensemble des dossiers qui seront examinés au cours de ce Conseil des ministres extraordinaire. Au nombre de ces dossiers, le projet de réforme de la commission de la CEDEAO. Ce Conseil extraordinaire des ministres est convoqué pour principalement connaître des démarches de réforme institutionnelle qui sont entreprises actuellement au niveau de la CEDEAO. Vous savez que nous avons entrepris de renforcer le personnel de la commission de la CEDEAO par le recrutement d'un certain nombre de cadres professionnels et de directeurs. Et vous savez également que lors de la 43e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue les 17 et 18 juillet 2013 à Abuja, la conférence a décidé d'élargir la commission de la CEDEAO à 15 membres. Eh bien, nous sommes en train de mettre en œuvre cette importante décision des chefs d'État et de gouvernement, et bientôt notre commission sera composée de 15 commissaires. Pour le moment, il y a 9 commissaires, et bientôt, ça sera une commission de 15 commissaires où chaque pays sera représenté. Le président de l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA, a été reçu en début de soirée ce mardi. Kim Yang-mok s'est entretenu avec le président de la République des nombreuses opportunités qu'offre la COICA, l'Agence coréenne de coopération, notamment dans les domaines de la construction d'infrastructures routières, de la production d'électricité à moindre coût, de la formation professionnelle dans le domaine médical, etc. Autant d'opportunités dont la Côte d'Ivoire pourrait bénéficier dans le cadre de sa coopération avec la Corée. Nous avons complètement un accord de renforcer notre coopération et j'ai promis au ministre d'État, aussi au président de la République, de commencer notre projet d'assister le peuple ivoirien. Le chef du gouvernement ivoirien, lui, a procédé ce mercredi à la visite du chantier de l'hôtel Sofitel d'Abidjan. Daniel Kablan-Duncan veut ainsi s'assurer des bonnes avancées des travaux de ce cadre à 2 ans, abriter le forum Investir en Côte d'Ivoire annoncé pour le 29 janvier prochain. Alexis Oudrao. L'événement de ce début de l'an 2014, le forum Investir en Côte d'Ivoire. Il ouvre ses portes le 29 janvier prochain à Abidjan. En attendant, le chef du gouvernement s'assure que tout est fin prêt. Ce mercredi, aux côtés du ministre Patrick Hachi et du directeur général du Centre de promotion de l'investissement de Côte d'Ivoire, il était au Sofitel d'Abidjan pour se rendre compte de la bonne avancée des travaux sur le site. C'est ce lieu qui doit abriter le forum. Ce que je note, c'est donc l'intérêt fort pour la Côte d'Ivoire et qui veut devenir émergent, comme chacun sait, en 2020, et qui veut avoir une croissance forte. Et vous savez, maintenant, je crois que tout le monde le connaît à 10%. Donc, ce sera une grande fête, pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais régionale. Donc, on a vraiment une série donc, de personnalités de haut niveau qui seront là, tant à l'ouverture et d'autres à la participation donc, des panels qui auront lieu ici. Plusieurs milliers d'investisseurs étrangers sont attendus pour ce rendez-vous. Il devrait véritablement booster la relance économique de la Côte d'Ivoire. C'est un sujet d'actualité, les grossesses en milieu scolaire au cœur d'une pièce de théâtre montée et exécutée par les acteurs du système éducatif de la ville de Touba. La pièce, intitulée « La représentation de la saison des oranges » a été réalisée en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, en visite dans la région du Bafing. Le témoignage de Maïsako. La saison des oranges, c'est l'intitulé d'une pièce de théâtre montée et jouée par les acteurs du système éducatif de la ville de Touba. L'objectif de la pièce aux accents comiques est de dénoncer la tare sociale que constituent les grossesses en milieu scolaire. Pour la petite histoire, une jeune écolière vendeuse d'oranges à ses moments perdus est poussée dans les bras d'un enseignant par sa tante. Ce dernier, après avoir abusé d'elle, l'abandonne à son propre sort. Rejetée par sa famille, elle crie son désarroi face au comportement indélicat de son éducateur. Au terme de cette représentation théâtrale, la ministre de l'Éducation nationale, qui était au nombre des spectateurs, a promis d'être inflexible et intransigeante face aux cas de grossesse en milieu scolaire
perpétrés par des membres du système éducatif. Au dire de Kandia Camara, une campagne de sensibilisation sur ce phénomène va être bientôt initiée à travers la représentation de la pièce « La saison des oranges » dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Plus de sécurité et de veille à l'université Alassane Ouattara de Boaké, l'établissement dispose désormais d'une police universitaire. Elle a pour mission de sécuriser l'environnement des campus et permettre de meilleures conditions d'études. Le compte-rendu de Ouattara Madou Walter. À l'initiative du gouvernement ivoirien, une police spécialisée dans la sécurisation des campus universitaires a été mise en place l'année dernière. Le campus 2 de l'université Alassane Ouattara vient d'abriter la présentation officielle de cette police universitaire. Force multidimensionnelle, la police universitaire est chargée non seulement du maintien de l'ordre, de la prévention des conflits, mais également de veiller à la sécurité des personnes et des biens sur l'espace universitaire. Par ailleurs, elle doit œuvrer à la prévention de la salubrité et à l'entretien des espaces verts. Le directeur général adjoint de la police universitaire, Yeo Amédé, rassure que cette police vient répondre aux besoins du monde universitaire. Elle n'ira pas contre les règles de la franchise de l'espace universitaire, a-t-il indiqué. La police universitaire de Côte d'Ivoire est une structure composée de jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 35 ans. Et qui ont au minimum obtenu le baccalauréat. La police universitaire n'est pas une police armée. Et lorsque nous constatons un débordement que nous ne pouvons pas canaliser ou que nous n'avons pas pu maîtriser par la sensibilisation, nous faisons appel directement à la police nationale ou à la gendarmerie afin de pouvoir gérer la situation. Les étudiants saluent l'avènement de la police universitaire, mais souhaitent qu'elle ne se dérobe aux objectifs de sa création. Les éléments de la police universitaire proviennent d'une société privée qui fait des prestations sur les campus universitaires du pays. La police universitaire de Côte d'Ivoire compte plus de 400 agents, dont une centaine déployés sur les campus universitaires de Boaké. Le problème du grand marché de Trècheville sera débattu au plus haut niveau. L'information a été donnée hier aux commerçants par le premier magistrat de la commune, François-Albert Amichia, qui a eu une rencontre avec eux dans l'après-midi à la salle de conférence de la mairie. François Amichia a demandé aux commerçants de rouvrir le marché et donner une chance à la négociation. 48 heures après le mouvement de protestation des commerçants du grand marché de Trècheville, l'heure est à la décrispation des tensions. Le premier magistrat rencontre les commerçants. Au menu, les raisons de la grève et les potentielles solutions. Pour rappel, les commerçants de ce marché, entre autres revendications, veulent désormais être propriétaires de leur box et exigent la cessation des activités du gérant actuel dont la gestion est jugée opaque et auprès de qui il loue des magasins depuis plusieurs années. Des préoccupations auxquelles François Amichia dit accorder de l'intérêt. Il y a des choses que vous avez déjà obtenues, il y a d'autres qui restent à obtenir. Nous allons voir ça ensemble. Alors, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les porte-parole, ensemble, vous allez trouver les solutions que nous allons les proposer au gouvernement. Des solutions, mais aussi des réactions après la rencontre. Si on avait eu gain de cause, on n'en serait pas là aujourd'hui. On va ouvrir le marché, nous allons commencer à travailler. Mais nous n'allons pas payer 5 francs à l'injection. Jusqu'à ce qu'on nous donne des contrats qui dit que c'est la taxe communale qu'on doit payer. Une chose est cependant certaine, un audit de la gestion du marché est prévu, histoire de situer les responsabilités. En bref et en image, ces 5 millions de francs CFA remis aujourd'hui par l'église de la mission de l'armée des vainqueurs à la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, un don reçu des mains du bishop Cossier César de la part de l'archevêque ghanéen William Sadunkan Nicolas. Cet argent devrait servir, selon la ministre Anouloto, à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des orphelins et enfants issus de milieux défavorisés accueillis dans les différents centres sociaux et autres structures spécialisées d'aide à l'enfance. Dans un autre registre, ce qui devient plus qu'une réalité, le programme gouvernemental des logements sociaux et économiques, il s'est déployé sur toute l'étendue du territoire national après Odiéné et Mininyan, Main et Touba, respectivement chefs-lieux des régions du Tanqui et du Bafing, ont été également mis en chantier la semaine dernière par le ministre en charge de la construction. Il s'agit de réaliser dans ces deux villes 436 logements sociaux et économiques au total. Broléon. Réjouissant sa main, région du Tanqui,
À l'origine, le démarrage effectif du programme des logements sociaux et économiques à travers ces trois villas témoins dont l'une entièrement équipée. Ce site était un peu éloigné de la ville, donc la population de Mans n'avait pas encore vu ces deux villas témoins. Et pour ça, en ville, ils nous demandaient chaque fois, est-ce que réellement le projet est arrivé à Mans ? Aujourd'hui, on vient de se rendre compte que le projet est effectivement à Mans. Aujourd'hui, il y a plusieurs projets. Il y a d'abord la construction de l'université. Il y a des projets miniers qui arrivent dans la ville. Nous avions un problème de logement. Nous ne pouvons que dire merci. Ce remerciement parce que l'opportunité est désormais offerte à chaque citoyen de bénéficier d'un toit, indiquent les intervenants à la suite du promoteur. Ce dernier doit bâtir pour Mans une cité intégrée de 268 villas avant de s'étendre au département de la région du Tonkby. Pareil pour le promoteur de la région du Bapping qui, lui, a déjà construit deux maisons sur les 168 à réaliser dans le cadre du programme gouvernemental pour réduire le déficit de logement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la politique est développer la région. Donc nous invitons les élus et les fils et les filles du Bafing à venir s'inscrire et à prendre des logements. À Touba comme à Mans, où il a procédé au lancement des chantiers, le ministre en charge de la construction a encore rassuré sur les garanties de succès de l'opération immobilière du gouvernement. Les arguments de Mamadou Sanogo sont entre autres la capacité d'autofinancement des 39 promoteurs choisis et le non-accès par ceux-ci aux apports des souscripteurs avant la construction de leur maison. Dans l'actualité politique, le groupement de députés ivoiriens réunis au sein du G25 a entrepris hier des démarches auprès des responsables du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, une approche pour convaincre le PDCI de soutenir une candidature unique du président Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle de 2015. Sidoni Davila, Gabriel Zani. La délégation du G25, conduite par son premier responsable, Frigo Basile, est allé certainement évoquer les raisons de la mise en place de ce mouvement, à savoir susciter la candidature unique du président Alassane Ouattara et en retour obtenir l'adhésion du PDCI-RDA. Au sorti de cette entrevue qui a duré plus de 30 minutes, et loin des caméras, les deux parties se prononcent. Nous sommes venus au PDCI-RDA pour vendre notre idée de la candidature unique. Le PDCI nous a reçus. Et nous partons satisfaits. La démarche a été appréciée, mais nous disons que spontanément, nous ne pouvons pas donner de réponse adéquate parce que nous avons un chef. Et nous savons que notre chef travaille pour la cohésion donc du RHDP. Une réponse non encore élucidée, certes, mais demeure importante et attendue pour le G25 qui souhaite l'adhésion de tous les partis politiques à ce projet. Pour l'heure, le groupement des députés issus des quatre formations politiques du RHDP et des indépendants continue sa campagne de sensibilisation pour une candidature unique. Un mois après son congrès, les responsables de l'UDPCI ont présenté hier les nouvelles instances du parti arc-en-ciel. C'était au siège du parti à Ankré-Dibi 2. La direction de l'UDPCI enregistre quelques changements avec la nomination notamment de Tiagba Laurent comme secrétaire général, secrétaire permanent du Conseil d'honneur et de l'ordre, en remplacement du docteur Albert Flindé, qui devient troisième vice-président chargé des relations internationales, coordonnateur du comité de stratégie, Gabriel Zani. Réélu récemment à la tête de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, Albert Mabry Touakeus se prépare déjà aux élections futures. Renouvellement des membres des instances de direction, nouvelles orientations, Mabry Touakeus veut atteindre les objectifs que s'est fixé l'UDPCI à l'issue du deuxième congrès ordinaire tenu en décembre dernier à Yamoussoukro. Pour lui, l'heure est au travail. Nous avons des ambitions, ces ambitions doivent être portées par la direction et par les organes que nous mettons en place. Donc nous avons à faire en sorte que les différents organes, la direction, les organes décentralisés, les autres organes centraux, que tout cela fonctionne parfaitement. Donc j'ai eu une première réunion de direction extraordinaire pour donner des conseils, pour appeler au rassemblement, à la cohésion, pour appeler au travail. À la jeunesse et aux femmes, il a demandé de se mobiliser au retour du parti. L'avenir du parti dépend de leur engagement. Nos priorités, c'est la mobilisation et la remobilisation des femmes.
de faire en sorte que toutes nos nombreuses sympathisantes soient des militantes engagées. La présidente que je suis a besoin de tout le monde. Toutes celles qui m'ont voté, toutes celles qui ne m'ont pas voté, j'ai besoin d'elles parce que nous avons besoin de réussir cette mission ensemble. Les bureaux politiques et exécutifs de l'UDPCI sont composés de 74 membres. C'est à eux que revient la responsabilité de mobiliser les troupes pour la candidature unique du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Et cette interrogation, quelle implication des cadres dans le renforcement de la cohésion sociale dans le pays? Question principale au centre d'un atelier de formation vendredi au CERAP, le Centre de Recherche et d'Action pour la Paix, l'initiative de l'ONG Search for Common Ground, qui crée ainsi le cadre de réflexion autour du rôle que pourraient jouer les cadres pour une réconciliation sincère dans leurs régions respectives, connaît par Gassoro Franco Adio. Amener les cadres à s'approprier les méthodes et techniques de l'approche Common Ground, c'est-à-dire la recherche d'un terrain d'entente pour la transformation des conflits. Définir de manière inclusive leur rôle dans le renforcement de la cohésion sociale, mais aussi les préparer à mener des actions de cohésion sociale en faveur des populations, c'est-à-dire des jeunes et des femmes. C'est le défi que veut relever l'ONG Search for Common Ground. Elle organise donc un atelier de formation en vue d'impliquer davantage les cadres des différentes régions dans le renforcement de la cohésion sociale. Les initiateurs de ce projet de transformation sociétale, dénommé « J'aime mon pays », entendent accroître la participation des leaders communautaires dans le processus de réconciliation nationale dans les zones les plus affectées par les violences post-électorales, mais aussi renforcer le dialogue national autour de la tolérance et de l'unité dans la diversité. Les participants souhaitent que les initiateurs multiplient ce genre d'activités afin de leur permettre non seulement de renforcer leurs capacités en matière de cohésion sociale, mais aussi de s'approprier les méthodes et techniques de l'approche Common Ground pour la transformation des conflits dans leurs différentes zones. À l'issue de cet atelier de formation, plusieurs recommandations ont été énumérées. C'est l'heure du bilan de l'année 2013 au ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Il est jugé positif dans sa grande majorité. Mabry Toikeux s'en a profité pour projeter son département sur l'année à peine entamée. Hugues Veblet. À l'heure du bilan, la satisfaction est de mise au ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Le ministre Albert Mabry Toikeux se citera parmi bien d'autres exemples d'avancées les ressources financières et techniques dont bénéficie le pays pour la mise en œuvre de projets porteurs. Il a engagé ses collaborateurs à prendre les mesures utiles pour consolider les acquis de 2013. Au nombre des défis à relever figure en bonne place l'achèvement du recensement général de la population et de l'habitat, mais aussi la bonne collaboration entre le système des Nations Unies et le gouvernement sur bon nombre de dossiers, en bonne place à celui de l'ONUCI. La question du retrait de l'ONUCI nous interpelle tous. Vous qui travaillez à l'ONUCI et dans les agences, mais également le gouvernement. C'est pour cela, monsieur le coordonnateur résident, nous pensons que très rapidement, nous devons avoir une séance de travail pour sortir un plan qui verra le gouvernement se doter de moyens pour se préparer donc au retrait des Nations Unies en termes d'opérations en Côte d'Ivoire. Pour relever les défis de l'année 2014, le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement pourra compter, tout comme à l'ensemble du gouvernement, sur l'appui du système des Nations Unies. Babacar Sissé, son coordonnateur résident, a réitéré l'engagement et la détermination de tout le système à accompagner les efforts du gouvernement en matière de développement humain et de l'émergence de la Côte d'Ivoire. En bref, ces affrontements opposant des civils centrafricains et des combattants issus des rangs de l'ex-rébellion Séléka ont eu lieu ce matin près d'un camp militaire de Bangui, où la tension est toujours extrême ce soir. La Centrafrique toujours avec Catherine Samba-Panza, la présidente intérimaire du pays, qui a réitéré sa volonté de mener une politique d'écoute et de réconciliation. Elle promet nommer un gouvernement de technocrates à la veille de son investiture prévue pour ce jeudi. Reportage. Sur le terrain, les tensions n'ont pas baissé malgré l'élection d'une nouvelle présidente à la tête de la transition centrafricaine. Devant des militaires français et africains, ces jeunes banguissois bloquent une route, dénoncent les attaques des anciens rebelles et menacent de représailles.
depuis hier soir jusqu'à ce moment, jusqu'à ce matin même, ils sont venus nous attaquer. Mais on ne sait pas là où nous allons vivre, on ne sait pas là où nous allons s'asseoir, parce que là c'est notre pays. Nous allons quitter ce pour aller vivre où? Nous sommes devenus chez nous comme les locataires. Cette insécurité que font régner les groupes armés, ex-Séléka et anti-Balaka, est la priorité de la nouvelle présidente. Je veux recevoir ces groupes armés et les écouter. Il y a des attentes. S'ils ont pris les armes, c'est qu'il y a une raison. Donc il faut les écouter, connaître leurs attentes, analyser si c'est réaliste ou pas. Ce qui est faisable sera faisable. Ce qui ne sera pas faisable, eh bien, j'expliquerai que ce n'est pas faisable. Des paroles apaisantes et audibles par tous. La nouvelle dirigeante prône le dialogue et veut profiter du consensus qui entoure son élection, même au sein de l'ancienne rébellion. Elle a notre soutien politique et militaire, je répète. Et on vient de coordonner tout de suite nos combattants qui se trouvent dans l'arrière-pays, dans les différentes villes des provinces, ou soit dans les provinces de notre pays, dans nos différentes provinces, de rester calmes, garder leur position. En échange, les ex-rebelles qui ont perdu avec la démission forcée de Michel Djotodia la place de président souhaitent que le poste de Premier ministre revienne à un musulman. Réponse jeudi, après la prestation de serment de la présidente. La conférence de paix Genève 2 autour de la Syrie s'est ouverte ce mercredi à Montreux en Suisse. Elle a connu un début difficile. Grandes puissances et négociateurs syriens campant sur leur position dans un climat très tendu. Guerre des mots, accusations de trahison, appel répété au départ de Bachar el-Assad. Le premier face-à-face entre le régime syrien et l'opposition sous l'égide des grandes puissances a commencé dans un climat tendu à Montreux. Regardez. C'est à Montreux en Suisse, dans ce décor bucolique mais sous haute surveillance, que s'est ouverte au terme d'un an et demi de tractations la conférence dite de Genève 2 sur la Syrie. Même si les discussions de fond ne doivent commencer que vendredi, selon Ban Ki-moon, la première prise de contact entre puissances occidentales, arabes, russes, chinoises et les délégations syriennes des deux bords a débuté par l'appel des organisateurs à profiter d'une occasion énorme pour mettre fin aux souffrances du peuple syrien. Les négociations ne seront ni simples ni rapides selon le chef de la diplomatie russe, mais elles doivent se situer dans le cadre ébauché lors de Genève 1 selon son homologue américain. Le consentement mutuel qui nous a menés ici pour un gouvernement de transition signifie que ce gouvernement ne peut être formé avec quelqu'un qui soit contesté d'un côté ou de l'autre. Cela signifie que Bachar el-Assad ne fera pas partie de ce gouvernement de transition. Écartant toute idée de départ de son président, le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Mohallem, s'est lancé dans un long réquisitoire contre la délégation de l'opposition. Il l'a accusé d'avoir du sang sur les mains et de commettre des horreurs pour mettre en œuvre le complot terroriste wahhabite, comprendre saoudien, alimenté par les pays occidentaux. De son côté, Ahmad Jarba, le chef de la coalition nationale de l'opposition, a comparé les crimes de guerre de Bachar el-Assad à ceux des nazis et appelé la délégation officielle à signer avec lui les dispositions de l'ordre du jour. Afin que nous puissions transférer tous les pouvoirs d'Assad, dont l'exécutif, la sécurité, l'armée et les renseignements, au gouvernement de transition qui va poser la première pierre d'une Syrie nouvelle. Saluant le courage de l'opposition, le chef de la diplomatie française s'est voulu pragmatique. Il a demandé un cessez-le-feu immédiat et l'ouverture de corridors humanitaires pour venir en aide aux civils. Un appel qui a sans doute autant de chances d'être entendu que la conférence en a de réussir. Avant de clore ce journal, le reste de l'actualité internationale en bref et en images. D'abord, la Thaïlande, où il a été décrété l'état d'urgence à Bangkok pour faire face au mouvement de rue réclamant depuis plus de deux mois la chute du gouvernement. Pour faire face aux manifestations et faire appliquer la loi, le gouvernement thaïlandais a annoncé la mise en place de l'état d'urgence à Bangkok. Cela donne en principe aux autorités la possibilité d'interdire les rassemblements, de détenir des suspects durant 30 jours et de censurer les médias. Des mesures qui n'ont pas l'air d'inquiéter les manifestants qui sont toujours dans la rue et qui ont tenté une nouvelle fois de s'emparer du quartier général de la police. En Libye, à Tripoli, au moins 5 personnes sont mortes et une vingtaine blessées dans les affrontements entre des ex-rebelles et des groupes armés accusés d'être des partisans du régime de Muammar Kadhafi. Une opération militaire a été lancée à Warshfana, un quartier de la capitale, fief des pro-Kadhafi,
contre des bandes comprenant des partisans de l'ancien dictateur tué en octobre 2011. Des affrontements similaires se déroulent dans le sud du pays. Selon une étude économique, l'aggravation du fossé entre les revenus des plus riches et des plus pauvres serait le risque principal qu'encourt la planète pour les années à venir. Dans un message du pape François, lu par le cardinal Peter Turkson, lors de la cérémonie d'ouverture du 44e Forum économique mondial de Davos, le souverain pontife a plaidé pour une meilleure distribution de la richesse et la création de sources d'emplois. Il a demandé également que les participants fassent preuve de détermination et de clairvoyance pour lutter contre l'exclusion sociale. Administration et écoles fermées, 2800 vols annulés, l'arrivée du froid polaire avec des accumulations de neige jusqu'à 35 cm touche tout l'est des États-Unis, de la Caroline du Nord jusqu'au sud de la Nouvelle-Angleterre, dans le Maine, le Vermont, la Virginie et New York où la température est descendue à moins 12 degrés Celsius. Des vents allant jusqu'à 80 km/h sont attendus sur la région de Boston. Même le point de presse de la Maison-Blanche a été annulé. En début d'année, l'Est des États-Unis avait connu une vague de froid autour des moins 15 degrés centigrades à Baltimore, Philadelphie et New York. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très vite. Bonsoir.